1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je suis allé sur Wish. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous l'avez vu dans l'intro, j'ai craqué, je suis allé sur Wish, un peu AliExpress. Et cette fois-ci, contrairement à la dernière fois dans lequel j'ai pris des objets Dragon Ball et j'en avais pris que 5, là j'ai pris 9 articles sur My Hero. En fait, j'avais envie de me faire plaisir parce que je vois ces figurines et ça me donne trop envie de les acheter. Et je me suis dit, pour faire plaisir à mes abonnés, comme pour dans la vidéo Dragon Ball, cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire gagner tous les articles. Ça va être pour vous. À la limite, si j'ai un article qui me plaît, je sais pas. Je pense qu'il y en a des sympas. Ça sera à voir. Bon. Donc là, j'ai 9 articles, il faut savoir que j'ai pas tout reçu. Y en a un qui m'a été remboursé, malgré que normalement il arrive en France, mais j'ai toujours pas reçu. C'est celui-ci et c'est dommage parce que je le trouve sympa. Si jamais je l'ai reçu, je le mettrai sur mon compte Instagram pour le gagner. Donc, on va passer dans le vif du sujet. On va les ouvrir. Je vais commencer sur celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai ouvert. Pourquoi? Parce qu'en fait, le numéro de commande ne correspondait à aucune commande que j'avais faite. Et en fait, j'ai reçu un article qui m'a été remboursé par Wish. Alors, même pas à ma demande, c'est qu'ils m'ont remboursé comme ça du jour au lendemain. Donc, j'ai regardé, mais je ne les ai pas sortis. Donc là, c'est emballé. Donc, voici une des premières figurines. Ok. Alors, hop. Je la trouve super belle. Enfin, franchement, pour le prix, je regarde quand même s'il y a des petits défauts. Bon, là, on voit un petit peu de trace verte au niveau des grenades, au niveau des poignées, mais pas grand-chose, en fait. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. Hop. La figurine. Ce que je vais faire, c'est que je vous ferai un plan à part. Enfin, franchement, je la trouve très belle. Donc voilà, petite figurine de Bakugo. Et là, j'ai la deuxième figurine, donc Shoto. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, avec les flammes ici et la glace sur le côté. Un défaut que j'ai trouvé, c'est là, sous le bras. Il y a un petit défaut ici. C'est dommage. Et voilà la figurine de Shoto sur son socle. Franchement, la figurine, elle est très belle. J'aime bien son regard. Je sais pas si vous voyez bien. De toute façon, je vous montrerai une autre vue. C'est pour le deuxième colis. Un petit cette fois-ci. Alors, je me souviens ce que j'ai commandé. Par contre, impossible de vous dire lequel c'est. J'en ai que j'ai plein de petits. Donc là, c'est un petit porte-clés. C'est Oshako. Je trouve plutôt joli. Après, ça reste du plastique. Donc là, celui-ci, je ne vais pas le sortir de son emballage exprès pour vous le garder. Je trouve plutôt sympa. Je le trouvais un peu kawaii. Donc ça aussi, ça sera à gagner. Troisième colis. Celui-là. Alors, bon, j'ai l'image, donc je sais lequel c'est. Il faut savoir qu'on peut retrouver pas mal de posters de My Hero Academia, et pas que My Hero Academia, de toutes sortes d'animes. Alors, je sais pas si c'est les Japonais, les Chinois ou autres, mais ils ont des drôles de délire quand même. C'est-à-dire, on va avoir, par exemple, des scènes un peu osées entre Shoto et Izuku, entre Izuku et Bakugo, et même très osé parfois. Et là, c'est bizarre quand même. Quand je suis tombé dessus, j'ai fait non, je vais pas prendre ça quand même. Putain, et c'est emballé. A few moments later. Allez, j'arrive à la fin. Wow. Alors déjà, c'est en tissu. C'est pas en papier plastique. Oh, il y a encore du scotch. Ils aiment bien le scotch.
Oh, franchement, elle est quand même stylée, quoi. L'affiche d'Izuku avec son alter. Et franchement, putain, elle est trop belle. En plus, avec la lumière, ça rend super bien. Fait des petits effets. Elle est en tissu. Franchement, avec un CAD, ça peut rendre super. Oh, franchement, l'affiche, je la trouve top, hein. Affiche d'Izuku Midoriya. Quatrième colis. Alors, qu'est-ce que ça va être ça? Ok. Ah, je savais plus ce que c'était. En fait, ça, je m'en souvenais plus. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des stickers. Donc, c'est à peu près une. Je crois c'est pas loin d'une centaine de stickers. My Hero Academia. Voilà. Donc là, on a All Might et Deku. Oh, je les voyais plus gros quand même, hein. Là, un petit avec des coups où c'est marqué héros. Ah. Ah! Alors quand je vous dis qu'il y en a vraiment des bizarres, voilà, celui-ci, les Space. Vraiment Space. J'arrive même pas à comprendre, on dirait que Bakugo a une poitrine, je sais pas. Donc voilà, donc il y en a franchement des sympas, il y en a beaucoup sur All Might. Donc, franchement, certains sur All Might qui sont magnifiques. Celui-ci, je trouve trop beau. Le One for All. Alors franchement, il y a pour ceux qui sont fans de My Hero Academia, pour les coller, ne serait-ce que sur des cahiers, sur je dis n'importe quoi, sur les coques de téléphone ou autre. Non, franchement, je les trouve super sympas. C'est bon. Cinquième colis. Celui-ci. Ensuite, j'ai pas d'exemple. Je pourrais faire des emballages plus simples. Donc là, la différence de l'autre. Ah. Bon, celui-ci, je ne vous le ferai pas gagner. Pourquoi? Parce qu'il a été abîmé. C'était celui-ci. Et en fait, déjà, c'est une feuille. Et il est complètement abîmé. Mais abusé. Je ne peux pas vous le faire gagner, quoi. Sauf si quelqu'un le veut vraiment, je lui donnerai. Sans tirage au sort. Donc, Bakugo et Deku. Je trouvais l'image plutôt sympa. Celle-ci, c'est juste du papier. L'autre, c'est quand même du tissu. C'est beaucoup plus solide, ça s'abîme moins. C'est dommage. Allez, sixième colis. Et là, j'en ouvre un gros. Celui-ci. Alors, au toucher, je vois ce que c'est. Ouais. Donc là, c'est une figurine. Bah, vous en doutez quand vous voyez comme ça, de Deku. Donc voici la figurine de Deku. Donc allez. Immense. Là, je regarde un peu. Non, c'est de la saleté. Ça va. Tant mieux. Là, un tout petit peu de peinture, peut-être, qui est retirée. Mais voilà la figurine de Deku. Donc, je la trouve hyper stylée. Pouah, je la trouve magnifique, hein. Bon, il y a quelques petits défauts de peinture, mais en soi, c'est. Là, il y a un petit peu de vert sur le gant. Mais après, c'est pas trop dérangeant. La figurine, elle reste super belle. Et on est à trois figurines quand même, hein. Ok. Septième colis. Celui-ci. Donc il me reste deux petits à peu près comme ça et un gros. Et le gros, je la garde pour la fin. Et chaud le scotch là. Merde, je sais même plus ce que c'est. Des cartes. Par contre, c'est super rigide. Alors, c'est pas des cartes à jouer. Donc là, c'est des cartes qui représentent l'univers de My Hero Academia. Par contre, les cartes sont super belles. Elles sont plastifiées. Non, franchement, elles sont très belles, hein. J'aime bien. Allez, huitième colis. Le huitième. Ah oui! Oh! Ah mais par contre ça je m'en souvenais même plus.
Donc, c'est un autre porte-clés. Oh, par contre, je vais être obligé de le défaire. Hop. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas vrai. Donc, normalement, c'est un porte-clés qui se présente comme ça. C'est plutôt sympa, je le trouvais cool. Mais regardez. Là, là, le plastique, il est là. Donc, en fait, c'était Bakugo, j'avais pris. Et je trouvais, n'empêche, que ce soit un porte-clés en deux parties, je le trouvais stylé. Ben voilà, super. En celui-ci, je ne vous ferai pas gagner, hein. Alors, maintenant, dernier article. Pour moi, c'est un article super fun. Alors, je ne sais pas à quoi il va ressembler. Et celui-ci, c'est pas du Wish, c'est du AliExpress. Alors, pourquoi du AliExpress? Parce que c'était beaucoup moins cher que Wish. Et en plus, tu reçois beaucoup plus rapidement. Enfin, là, du moins, c'était le cas, hein. Le 9e. Excellent. Des gants de Bakugo. Alors. Donc c'est des gants qui peuvent aussi bien servir pour cosplay. Mais franchement, ils sont stylés. Regarde. Il y en a qui marquaient qu'on pouvait se coucher dessus pour se reposer, soit. Et après, ça peut aussi également te servir de cosplay. Enfin, franchement, après, moi j'ai le grand bras. Hein, Mais il est super bien. Franchement, j'adore. Super doux. Ça sent pas. Enfin, ça sent le tissu, hein. Non, franchement, je regarde même les coutures. Les coutures sont propres, hein. Et trop beau. Mais trop beau. Je surkiffe. Voilà. Celui-ci, je le ferai gagner sur mon compte Instagram. Mais, franchement, je surkiffe. Donc là, il y a les deux. Donc ça sera le lot de deux à gagner. Et ben voilà, ben c'est tout pour cette vidéo. Bah franchement, bon, j'en ai eu 9 articles. Il m'en manque encore, hein. Il m'en manque 2 ou 3. Bah, je suis super content. Mis à part bah, le poster, enfin, ce qui ressemble à un poster abîmé et le porte-clés cassé. Voilà. Donc, fallait bien qu'il y ait du couac. Bah, à la limite, je préfère que ce soit sur des petits articles comme ça que sur les figurines pétées ou les poignées de Bakugo ou les grenades, ce que vous voulez, qui soient décousues ou autres. Mais non, franchement, elles sont en super bon état. Alors, moi, ce que je préfère dans le lot, ça, c'est vraiment ce que je préfère. Je suis fan. Je suis fan, 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 fan. J'adore. Ben, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Donc, n'oubliez pas, tous les articles sont à gagner. Donc, je vous mettrai dans la vidéo à peu près les lots. Et pour gagner, ça va être très simple. Bon, là, je fais une petite pause parce qu'en fait, il y a des changements depuis la réalisation de cette vidéo. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun changement sur ce qui est à gagner. Au contraire, il y a des nouvelles choses. Alors, il faut savoir que après la réalisation de cette vidéo, j'ai reçu une nouvelle figurine de Shoto. Alors, pourquoi une nouvelle figurine? Tout simplement parce que les deux premières, donc c'était un lot de deux, donc Shoto et Bakugo, avaient été annulées par Wish et m'a été remboursé. Et ça me gênait beaucoup d'avoir qu'une seule figurine à faire gagner, j'en voulais vraiment une deuxième, donc j'avais recommandé Shoto, donc exactement la même que la première. Et j'avais complètement oublié que je devais la recevoir quand j'ai tourné cette vidéo. Donc entre-temps, je l'ai reçue et du coup, je ne l'ai pas déballée, mais je vais vous la faire gagner. Et celle-ci, je vais vous la faire gagner sur le compte Instagram. Alors, comment ça va se passer? Je vais avoir une fois un concours sur YouTube et à la fois un concours sur Instagram. Sur YouTube, je vais avoir 5 lots à gagner. Alors, le premier lot, ça va être la figurine de Deku. Deuxième lot, la figurine de Shoto. Enfin, une des deux figurines. Troisième lot, la figurine de Bakugo. Quatrième lot, le poster en tissu. Et le cinquième et dernier lot, donc c'est un groupe de lots, ça va être les stickers, les images plastifiées. Et enfin, le porte-clés qui est en bon état. Pas celui qui est cassé, je ne vais pas vous faire gagner étant donné qu'il est cassé. Voilà, donc ça va être les lots à gagner sur la chaîne YouTube. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffira juste de vous abonner à la chaîne et de commenter la vidéo que je suis en train de faire. Donc je suis encore en train de la terminer derrière. Et je ferai un tirage au sort le 10 janvier. Et ensuite, je vais avoir un concours sur mon compte Instagram dans lequel je vais faire gagner la deuxième figurine de Shoto et les poignées cosplay de Bakugo. Donc pour ça va être très simple. À chaque fois, je mettrai une photo
du lot à gagner et dessous les conditions pour y participer. Sinon, ben, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à découvrir ces objets de My Hero Academia. Je suis vraiment un grand fan. Ah, même si j'ai eu quelques objets cassés, après c'est le transport, ça peut arriver, ça aurait pu être sur un autre site. Après, c'était pas non plus des objets qui m'ont coûté très cher. Je remercie encore, là j'ai dépassé le cap des 300 abonnés. Donc là on est fin décembre, j'ai dépassé le cap des 300, ce qui fait que j'ai gagné à peu près une centaine d'abonnés en un peu plus d'un mois. Et ça, c'est vraiment top. Je remercie vraiment à tous ceux qui me suivent. Donc là, on est fin décembre. Les fêtes de Noël viennent juste de passer. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, que vous avez été vraiment gâtés. Passez également de très bonnes fêtes de fin d'année. Attention sur la route si jamais vous avez un peu bu. Et puis, mais sinon, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!